Après, faut aller essayer d'aller casser la planche. Ah, j'avais oublié ça. Yo les gars, nouvelle vidéo. Là c'est Inception là. La vidéo va sortir très rapidement. Mais on est à la fin du Tour de France des skateparks. Il s'est passé beaucoup de choses. On vient d'aller se faire tatouer. Mais ça vous le verrez, les vidéos sortent au mois de septembre. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Il s'est passé plein de trucs, c'était incroyable. On est exténué. Vraiment la cadence c'était un truc de malade. Je tiens plus debout là. Là je suis vidé, j'ai plus d'énergie. Et c'est la dernière ville avant de rentrer à la maison pour finir le Tour de France ce week-end au Havre pour le Fizz. Et voilà, on va faire un petit test de board. J'ai acheté la board PSG qui est sortie il y a pas si longtemps. Et on va voir si elle est bien. La board elle coûte 100€ avec les frais de port etc. 100 balles c'est quand même un budget, c'est plus cher que presque toutes les marques de board de skate en fait. On va faire une vraie session. Faut que je monte la board déjà, je l'ai même pas vu encore. Le packaging est éclaté au sol déjà, qu'on soit bien d'accord. Regarde, ils ont mis ton nom dessus, fragile. Ah là je suis fragile, me fais pas trop de blagues comme ça parce que je peux me mettre à pleurer à tout moment. Avec la fatigue là, ça peut partir en couille. J'espère que la board elle est pas aussi fragile que le PSG en Ligue des Champions parce que elle va pas durer longtemps la session. Il a dit allez l'OM. J'ai pas dit allez l'OM, mais remontada. Bah déjà ça commence bien, j'espère que c'est que le carton. Elle est immonde. Ah, elle est pas très belle. Théma, le concave. C'est quoi que une skateboard? J'en sais rien. J'imagine que c'est la board, enfin c'est la marque qui a fait la board. Elle est immonde. Et ouais, j'ai pris la plus belle. Ce que je trouve un peu abusé, c'est qu'à 100 balles, il n'y a même pas de grip avec la board. Genre on a dû racheter un grip 7€ à côté. Ça, ça fait un peu mal au cul quand même. Mais bon, ça se tombe, c'est la meilleure board que j'ai skaté. Et je vais faire des tricks de folie avec peut-être. Ou alors je vais skater 10 minutes et je vais m'évanouir. C'est aussi une option. Dans le parc, proposer la séance. Le seul désagrément c'est qu'il faut mettre le casque. Est-ce qu'on va skater à l'intérieur? Vas-y vas-y, bah on monte la board et tout et on voit à tout moment on arrive à l'intérieur. A votre avis, est-ce que la planche PSG est bien? Déjà de toute façon, pourquoi on se pose la question si elle est bien ou pas? Le constructeur c'est Clown Skateboard. La question elle est vite répondue, non? Ça va être éclaté. C'est une 10 mais il y a marqué PSG dessus. Du coup c'est une 4. Allez le LOSC là, c'est bon. On va aller faire petite session à l'intérieur du coup, parce que là il fait à moitié pas beau. À l'intérieur le parc il est énorme, ils viennent de refaire entièrement. Je l'ai jamais skaté, du coup ça peut être vraiment une bonne option. Je monte la board, on se retrouve à l'intérieur avec un casque. Protégez-vous, sortez couverts, on arrive. On est quand même mieux dans ce parc là, non? Le parc il est énorme. À toi. Bon ça je peux le faire hein. Bon let's go hein. On va tester ce... On va tester ce... J'ai du mal. On va tester ce petit skate PSG. Et ce skatepark en même temps. Et ce skatepark en même temps, c'est double test aujourd'hui. Théma juste ce rail. A ton avis, combien il fait de long? 12 mètres. Si je mets Krug Nollie Flip dessus, ce serait le Krug Nollie Flip le plus long de la chaîne YouTube. Et de ma vie, je crois. T'annonces des choses, hein. On va skater tranquille, on va se chauffer, je vais essayer grind. Et si je mets Krug Nollie Flip, je serais méga refait. Ça roule et ça glisse parfaitement. Le sol, il glisse de malade, mec. T'as vu comment j'ai burné à moitié? J'ai pas le rythme, mais c'était des Tokyo Drift. Quelles tes premières impressions de la board? La board? Franchement, agréablement surpris. Elle est vraiment bien à skater. Elle a l'air solide, il y a un bon pop. Le concave est bien. C'est une 8-2, du coup c'est parfait. Très très propre. Je suis pas si mort que ça, on va pouvoir faire quelques bons tricks je pense. C'est raté. J'étais en feeble. Je fais pareil mais en switch crook. Allez l'OM. Ça serait jamais arrivé s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Je l'ai vu. Non, je voulais faire crook. La wax, s'il vous plaît, monsieur. Si je le mets à cet essai-là, tu rentres à pied. Si tu le mets pas à cet essai-là, c'est toi qui rentres à pied. Je m'en fiche, j'ai des chaussures qui courent vite. Double flip. Crook nolly double flip. Je fais crook nolly flip sur le petit et je fais crook nolly double flip.
l'as déjà fait? J'avais fait une vidéo entière pour y arriver. Oh, j'ai cru qu'elle avait cassé. Mais pas du tout! Juste, j'étais à deux doigts. Oh gros, je l'avais presque là, il était parfait. Il était parfait gros. Comment ça? Je suis choqué un peu. Ça va négocier un contrat au PSG? Ouais, faites un bon transfert au moins. Oh, la board elle est trop bien, 10 sur 10. Le transfert c'est 3 millions, ça va. C'est un orteil de Pogba. Trop bien le casque, ça sert à rendre aveugle. Oh. Ah, je sais pas si ça passe. Hein. Il manque 2 mètres. Si je mets ce trick là, ça passe. T'as vu? Moi je veux voir de la boxe. Tu te souviens de la line de tout à l'heure du BMX? Je fais la même. Un vrai BMX rider. Rien ne m'arrête, même pas le PSG. Qu'est-ce qu'on me fait? Un petit big spin backtail? J'aime trop ce trick en ce moment. Je me suis pris dans le bidon. Le skate bidon. Pourquoi j'arrive pas? Parce que t'es nul. Ouah. Alors? On dit toujours que je suis nul maintenant. Prends ça dans ta tête. C'était pas first try ça. Emma, first try aussi. T'as besoin encore de preuves ou tu veux que je mette toute la vidéo en raw? Il te faut quoi de plus? Celui-là, je vais le mettre. Hein. Je viens de la prendre. Noli noir deal. Téma. Il va t'arriver dans le gosier, tu vas rien voir comme ça. Tâche. Je vais taper fort. Ah, tu as bouge, j'ai envie de te niquer. Vous savez pas comment ça a été épuisant. Vous verrez de toute façon. Il était pas très bon. Bah, moi, ça m'a pas choqué. Parce que toi, t'es pas très beau non plus. La replaque à un pied sur le front board. Ça c'est mon corps qui me dit arrête, arrête tes conneries. Tu es fatigué, tu vas aller dormir un petit peu. Tu es fatigué. Back blind big spin. Front blind big spin. Je sais même plus les tricks tellement je suis mort gros. Après faut aller essayer d'aller casser la planche. Ah j'avais oublié ça. La meilleure partie. Comment je peux dire que je suis fatigué au point de tomber dans les pommes et faire cette line là? Fais une roulade. Si je fais une roulade, je me relève pas je crois. Ah je donne tout, la tête de homme. Genre je suis vraiment... Frère j'en peux plus. Tu me sens le Krug en lifté? J'essaye un Krug vite fait, mais franchement je pense que... Je fais Krug, j'essaye voir. Ça m'énerve parce que là j'ai vu que j'étais presque. J'essaye deux fois. Je vais pas parler, je vais économiser mon énergie. En tout cas, ce serait ouf. J'aurais baptisé le skateboard quoi. Je me rapproche un peu. J'essaye encore un peu. Est-ce que tu y crois ou pas? Moi, j'y crois toujours. Hein. Arrivé à la moitié, je me dis c'est bon, ça va le faire. Et à chaque fois, à la fin, je déséquilibre, j'ai plus rien. Dans mon corps, j'ai plus rien. Oh, c'est dur là. Tu goûtes. C'est que je pleure de l'intérieur là. C'est l'essai le plus concluant que j'ai fait depuis le début. Je peux pas arrêter. J'en fais quelques-uns. Au pire, je convulse et ça fait des vues, c'est bien. Je me connais, même dans cet état-là, je peux pas abandonner. Faut aller au bout des choses. Mais là, c'est mon corps qui est en train de me dire stop. Là. J'ai fait crook. Il n'y avait pas de nollie flip. Donc là tu reçois une bonne note, tu reviendras le faire. J'essaye 3 essais, si je peux j'y vais. Si je suis vraiment éclaté, on revient le 17 et je le fais.
C'est pas le plus beau, mais je crois que je vais m'en contenter. Il passait ou pas? Il y avait une main, mais il est mis. Une main assumée vaut mieux qu'une main pas assumée. Ça peut paraître bizarre cette phrase. Ah, t'as tapé dans ma hanche, mais t'es vraiment un enculé. Vas-y, je l'accepte. Dans l'état où je suis, ce qu'on a fait depuis une semaine, ce qui me reste à faire ce week-end, une compétition, faut quand même que je réussisse, c'est à la maison, ça ferait plaisir. Je vais le prendre. Je me dis que j'ai pas abandonné et qu'au final, le crook et le crook dans les flips, ils sont mis. Je suis fier. On va faire la Twingo. On va voir si elle est résistante, le Paris Saint-Germain, là. En tout cas, elle était parfaite à skater. Transition crash test. Yeah, la planche est bien à skater. Est-ce qu'elle est résistante maintenant? Fous-moi ça sous la Twingo. Sans surprise, mon petit Jean-Pierre, on peut voir que la board a très bien tenu. C'est top qualité. C'est 100 euros. C'est plus cher que 99% des boards. À part OK, peut-être. Et ça, c'est pas OK du tout, ça. 100 balles une board. Vous faites quoi? Vous vous touchez. C'est l'Ukraine. Les skates, ils viennent d'Ukraine, c'est ça? Ça, c'est la douille qu'on met à tout le monde, ça. Faut déplacer la voiture et la police. Éteins la caméra parce qu'on a peut-être pas le droit de filmer devant un commissariat. Non? Je pense que je vais skater cette board là au fizz. Bah ouais, PSG, allez, allez hein. On se retrouve, parce que là on était dans Inception. Là nous on rentre au Havre, on a le fizz. La fin du Tour de France des skateparks. Il va se passer encore plein de trucs. Je vous laisse découvrir ça, ça va sortir tous les samedis en septembre. Abonnez-vous pour pas rater ça. Let's go, on enchaîne. I'm fucked up and I'm American. Ciao, ciao les studios. Yeah, subscribes.